Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? We want to see your glory manifested. De Dieu remplit ce lieu, la gloire de Dieu remplit ce lieu, la gloire de Dieu remplit ce lieu, la gloire de Dieu remplit ce lieu. La gloire de Dieu remplit ce lieu. De Dieu remplit ce lieu. La gloire de Dieu remplit ce lieu. La gloire de Dieu remplit ce lieu. La gloire de Dieu remplit ce lieu. Remplit ce lieu. La gloire de Dieu remplit ce lieu. La gloire de Dieu remplit nos vies. 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 De Dieu remplit nos vies. La gloire de Dieu remplit nos vies. De Dieu remplit nos vies. Faisons une prière. La gloire de Dieu remplit nos vies. La gloire de Dieu remplit nos vies. La gloire de Dieu remplit nos vies. De Dieu remplit nos vies. La gloire de Dieu remplit nos vies. Remplit nos vies. Remplit nos vies. La gloire de Dieu remplit nos vies. Remplit nos vies. Peux-tu le dire plus fort que Dieu remplit nos vies. Que la gloire de Dieu remplit. La gloire de Dieu remplit nos vies. Que la gloire de Dieu remplisse nos vies. La gloire de Dieu remplit nos vies. Shekinah, la gloire de Dieu est là. Shekinah, la gloire de Dieu est là. Shekinah, la gloire de Dieu envahit nos vies. Shekinah, irradie-nous. La gloire de Dieu. Shekinah, Shekinah, la gloire de Dieu. Shekinah, Shekinah, la gloire de Dieu. Exprime-toi, Shekinah. Oh, Shekinah. Shekinah. Pénètre-moi, pénètre-nous.
chaque fibre mon être, mon esprit, élève mon âme, irradie nos corps, ma destinée, pour rappeler la Shekinah dans cet endroit. Shekinah, Shekinah, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, Shekinah, j'ai soif, je désire te voir, je désire te vivre. Y a-t-il une personne pour dire Shekinah? Shekinah, 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 soif de toi, je te désire, apparaît dans nos vies, Shekinah, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Shekinah. Saisis-nous, perce nos cœurs, irradie-nous, déteins sur nous, exprime Christ, exprime Christ, apparaît dans nos santés, dans nos cœurs. Dans nos foyers, dans notre futur, apparaît Shekinah, et tu de prier, la gloire de Dieu, Shekinah.
Tes soupirs, alors tu vas élever la voix, tu vas soupirer, implorer pour que sa gloire soit manifeste. Ne reste pas caché, vas-y, élève la voix. Il faut qu'on sente qu'il y a la ferveur qui sort de ton cœur. Il faut qu'on sente qu'il y a de la soif. Il n'atterrit pas là où il est toléré. Tu vas donner de la voix. Je ne t'entends pas. Ça, ce n'est pas un soupir véritable. Est-ce qu'il y a au moins une personne? Est-ce qu'il y a au moins 120 personnes qui soupirent pour ta gloire? Nous sommes au moins 120 à soupirer pour ta gloire, pour que tu apparaisses, pour que tu fasses irruption dans les affaires des eaux. Soupir de mon cœur. Oh 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 oh. Il y a au moins 120 personnes ici qui soupire. Ah, nous t'implorons. Prépare-nous pour une année d'une nouvelle dimension. Ce sont des soupirs qui accompagnent nos prières. Nous te remercions d'avance pour cette année. Nous atteindrons la fin de cette année. Mais ce sont des soupirs pour l'année qui vient déjà. Ne soupire pas. Est-ce que tu peux soupirer deux fois plus fort que lui? Oh 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 oh. Achalé les babas. Il faut que
qui soit manifesté. Il faut que l'on voit ta gloire dans ma vie, ta gloire dans l'église, ta gloire dans nos destinées, ta gloire dans notre postérité. Tu dois pousser, pousser, pousse encore. Il y a quelque chose qui doit sortir. Quelque chose qui doit sortir. C'est un soupir prophétique. C'est un soupir prophétique. Quelque chose doit sortir de toi. Un enfantement prophétique, un enfantement de témoignage, un enfantement d'une nouvelle histoire, l'enfantement d'un nouveau cœur, l'enfantement d'une libération, l'enfantement d'un témoignage, l'enfantement d'un miracle, l'enfantement d'un signe, l'enfantement d'un prodige. Plus fort, 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 plus fort. C'est ça, c'est un enfantement. Ce sont les douleurs de l'enfantement, ce sont les soupirs de l'enfantement. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais c'est un soupir pour enfanter. Comme un aigle. Oh, 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 oh. 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 Soit car les c'est pour que ta gloire soit révélée. Pourquoi les nations diraient-elles? Mais où est donc leur Dieu? Apparaît dans nos vies. Apparaît dans le paix. Manifeste-toi, cher onction de Dieu, cher esprit de Jésus, que ta main soit étendue, que les oreilles des sourds soient ouvertes, que les yeux qui ne regardaient pas bien voient correctement, que la langue qui ne parlait pas correctement parle correctement, que les infirmités soient brisées. Que ta main soit étendue. Que la vigueur revienne dans les jambes. La vigueur revienne dans les bras. Que la vitalité divine soit. Que ta main soit étendue. Ta grâce soit multipliée. Que ton feu soit déversé. Que ton nom soit glorifié. Tes œuvres manifestées. Fais tout à merveille, alors que nous t'implorons, alors que nous crions à toi. Oh, oh.
Esprit de Jésus, fais la différence dans nos vies. Nous te recevons de célébrer. Alors que la fin de l'année approche, nous nous reconnaissons que atteindre le 31 décembre n'est pas un acquis, n'est pas un droit, n'est pas une évidence. C'est une grâce. Et nous atteindrons la fin de l'année. Je le dis parce que tu ne réalises pas, mais autour de nous, il y a plusieurs personnes qui ont déjà été éprouvées. Le mois de décembre est un mois qui n'est pas simple. Et même notre propre frère, le pasteur Mira, a perdu son père avant-hier. Alors, tu vois, je veux juste que nous soyons conscients de ce que rien n'est acquis. Chaque jour dans sa présence, ayons la bonne attitude. L'attitude de la gratitude, l'attitude de l'humilité, rien n'est acquis. Alors nous te rendons grâce de ce que tu as conduit nos pas ici. Nous te rendons grâce pour les deux premières semaines de nos 21 jours de jeûne, de prière et de supplication. Nous te rendons grâce pour la dernière semaine qui arrive. Nous te reconnaissons, nous te célébrons dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue à votre grande famille qui est là en présentiel et ceux qui sont avec nous en communion sur Internet. Amen. Bienvenue. Nous rendons grâce à Dieu pour nos deux premières semaines de jeûne. J'entends ton voisin dire: deux semaines de quoi? Parce qu'il n'est pas connecté. C'est vrai, il y a les ouvriers de la dernière heure, il y a les opportunistes. Mais vous devez juste apprendre une chose. Quand tu veux voir ta vie aller à une dimension où elle n'est jamais allée, où elle n'est jamais allée, tu dois être prêt à poser des actes que tu n'as jamais posés. Il n'y a aucun hasard. On peut subir, on peut se plaindre, on peut provoquer. Et il s'agit de ça pendant ces 21 jours. Le Seigneur vraiment nous a fait du bien. Le Seigneur est en train de préparer vraiment nos cœurs. Je le sais. On va de gloire en gloire, de dimension en dimension. Et la particularité de ces 21 jours cette fois-ci, c'est vraiment le niveau d'agression, d'attaque contre nos corps. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, tous les pasteurs étaient attaqués par le rhume. Là, tu vois, tu m'entends, là. Toute la semaine, là, le nez coulait. Alors, il y en a qui m'ont dit, mais ça ne s'entendait pas. J'ai dit, c'est ça. Mais c'est parce que j'ai dit, le rhume ne va pas m'empêcher de conduire la prière. Il y a beaucoup d'autres qui auraient dit, ah, écoute, comme ça ne va pas, je me repose. Et c'est vrai que le fait de ne pas se reposer, de crier ici tous les soirs, ça n'aide pas, mais on compte sur la grâce de Dieu. Alors je ne sais pas à quoi va ressembler la troisième semaine, mais on va venir ici demain soir encore. On va encore pousser et pousser.
Et je demande à Dieu, nous demandons au Seigneur une troisième semaine d'apothéose. Une troisième semaine d'apothéose. Donc, en tout cas, si les pasteurs sont attaqués comme ça par le rhume, moi, je suis, ça fait des années, au moins 15 à 20 ans que je n'ai pas été, pas comme ça en tout cas, le nez bouché pendant plusieurs jours, ça ne se fait pas ça. Ça veut dire que toi, tu ne pries pas assez pour tes pasteurs. Et donc, tu dois te repentir parce que, voilà, c'est ça l'offense. Je me sens offensé, ça veut dire que quelqu'un n'a pas prié pour moi. Voilà, donc tu dois beaucoup prier, plus prier pour tes pasteurs, dis amen. Si Paul a dit prier pour nous, c'est pas moi qui te dirai le contraire, mon frère. Wow. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Je tiens à vous dire que c'est quelques annonces importantes à faire avant que tu nous t'assieds, mon frère, ma soeur. C'est que le 31 décembre, donc, nous prenons nos places pour ceux qui veulent des stationnements. Nous serons à Paris, Event Center. Le 31 décembre, comme tous les 31 décembre, nous présentons nos vœux au Seigneur. Dis amen. Ce sont nos prières. Je t'assure que ça a une puissance extraordinaire. Présenter des vœux, ça veut dire une offrande spéciale accompagnée de tes prières. Des prières majeures pour 2018. C'est ce qu'on fera. On le fait avant les hommes. On présente nos vœux au plus magnifique des chefs d'État de l'univers et de l'éternité. Amen. Et également, en préparation de la campagne In Haïti qui commence début janvier, où nous allons à Haïti début janvier, on nous a demandé d'envoyer un chèque de 150 000 $ mardi. Tu vois, voilà, tu vois, j'ai la même réaction que toi. Je me suis dit, ah, on n'est pas prêt, nous, on n'est pas prêt, il faut nous laisser du temps. Donc, on n'a pas beaucoup de temps, donc il faut vraiment que le dimanche prochain, tu viennes avec une offrande significative qui permette vraiment de faire la différence pour In Haïti. Et nous allons tous le faire. Comme c'est Noël, on va faire un cadeau, voilà. On va faire un cadeau pour In Haïti. Voilà. Amen. J'aime bien les gens qui acclament, mais qui ont déjà décidé dans leur cœur que eux, leur cadeau, c'est pour eux. Non, le Seigneur renouvelle notre intelligence. Donc, je suis optimiste pour voir en nous une mentalité nouvelle appelée la générosité. Amen. J'ai dit amen. Dans la maison Impact Centre Chrétien, il y a vraiment des bonnes choses qui se font. Et comme beaucoup de gens font des cadeaux en cette saison, il y a une sœur qui est la responsable des enfants qui a vraiment écrit un superbe manuel pour les pré-ados et les ados de 10 à 14 ans. Et c'est impressionnant. Elle a pris l'enseignement sur les fondements du royaume et elle a illustré en bande dessinée à travers un livre pour les enfants, enfin les pré-ados et les ados. C'est simplement un excellent travail par Myriam. Elle a également fait, donc ça c'est pour les pré-ados et les ados. Je n'ai aucun intérêt dedans, donc je fais ça juste parce qu'il faut vraiment célébrer ce qui est bien fait. Dis amen. Et elle a fait également des livres pour les enfants. Au lieu d'aller acheter des niaiseries bizarres pour les enfants là, achète-leur des choses vraiment. C'est vraiment un don. Regarde qu'elle a, ça se voit pas à l'écran. Non, la première page, c'est sûr que ça se voit pas. Donc voilà, c'est un livre illustré. Une graine extraordinaire. Tout ça, ça parle de la parole de Dieu. Ça, c'est quoi? Sur mon sarment. Waouh! Hein? Le sap et le sarment. Donc, la parabole du cèpe et du sarment en forme. Waouh! Magnifique. Magnifique. Waouh! Et ça a été dit. Ma femme va dédicacer son livre la semaine prochaine. Vous savez, de vous à moi, quand j'ai lu ce livre-là, quand elle m'a parlé du livre, quand j'ai commencé à le lire, j'ai dit, hé, ma femme, dis donc, tu as la profondeur de ton mari, on dirait, c'est faux ça. Et moi, non, je n'étais pas capable d'écrire ça. Non, franchement, j'ai dit, waouh. Donc, et je te fais une confidence. Moi, je sois impressionné quand même, ça n'arrive pas tous les jours, de toi à moi. Donc, c'est pas parce que c'est ma femme, c'est parce que j'ai vu comment le sujet a été amené, j'ai dit, waouh. Vraiment, que Dieu bénisse ma femme. Saint-Esprit, magnifique Esprit de Jésus, nous voulons te dire combien tu es bienvenu, combien nous nous attendons à toi, combien nous avons soif de toi. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs.
déverse les grâces, multiplie-les, porte-nous, transporte-nous, assiste-nous, fortifie notre esprit, vivifie nos corps, nous comptons sur toi, magnifique présence de Dieu, au nom de Jésus, glorifie Jésus, au nom de Jésus, amen. Amen, 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 amen. Allez vous asseoir dans sa présence. Et avec moi, voir. Quelqu'un dit encore gloire à Dieu. Bon, donc tu dis à ton voisin, vraiment, toi tu ne pries pas pour le pasteur Ivan. Non, il faut le dire, hein, parce que c'est la réalité. Le problème, c'est que c'est sur moi qu'on tire le plus. Pour t'atteindre, il faut d'abord qu'on m'atteigne. Jésus a dit, je frapperai la tête, le berger et les brebis seront dispersés. Mais ne le seront pas au nom de Jésus. J'ai dit, elles ne le seront pas au nom de Jésus. Donc, aujourd'hui, j'ai reçu de continuer. Je ne savais pas qu'il y avait une suite. Mais je perçois vraiment que le Saint-Esprit veut vraiment nettoyer nos cœurs de tous les dépôts d'offenses et de carnalité et de blessures que nous avons accumulées pendant tant d'années. Certains depuis 1950, d'autres 70. Mais je vois la saison où tous ces dépôts-là sont complètement détruits au nom de Jésus. Et un nouveau cœur, une nouvelle âme t'est donnée. Et ne sous-estime pas l'importance d'une nouvelle âme, d'un nouveau cœur, puisqu'il est écrit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, ainsi que prospère l'état de ton âme. Donc, ton niveau de prospérité dans la vie ne va jamais dépasser la prospérité de ton âme. En fait, ta prospérité, ton bien-être entier va dépendre du bien-être de ton âme. Voilà pourquoi il faut que ton âme prospère. Une âme qui prospère, c'est une âme qui est dans la paix, qui est dans le repos. Ça sera ton partage au nom de Jésus. D'ailleurs, c'est ton partage maintenant au nom de Jésus. Une âme qui prospère, c'est une âme qui est dans la sainteté, qui est remplie d'amour, qui est remplie de foi, qui est remplie de joie, qui est remplie de douceur. C'est ça la prospérité. Ne me dis pas mon âme prospère quand tu as de l'argent et que tu es un impudique. Tu ne prospères pas, tu es broke et tu as été scandalisé. Là, j'aurais aimé entendre un amen. Ah, c'est ça. On dirait que maintenant, tu n'as plus de raison de dire amen. Wow. Ton âme prospère lorsqu'elle est remplie d'amour, de paix, de joie, de foi, de douceur, de bonté, d'humilité. Quand tu as l'orgueil, tu ne prospères pas. Tu peux avoir de l'argent, mais tu ne prospères pas. Ce n'est pas ça la prospérité de l'âme. La prospérité de l'âme, c'est shalom, c'est le repos de l'âme. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. L'orgueil te fatigue, la jalousie te fatigue, la calomnie te fatigue. C'est pour ça que tu es toujours tendu. La colère te fatigue, l'amertume te fatigue. Le Seigneur te donne du repos au nom de Jésus. Donc, je vais continuer. Faites la guerre aux mauvaises pensées, partie 2. Faites la guerre aux mauvaises pensées. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message qui m'a dit, franchement, cette partie de message-là, ces derniers temps-là, j'avoue, pasteur Ivan, que je n'y prends pas plaisir. En fait, je n'aime pas trop ça. Mais je reconnais que j'ai besoin de ça. C'est comme les légumes, tu sais. Tu n'aimes peut-être pas trop, mais c'est ce dont tu as besoin. Ce dont tu as besoin, c'est pas ton Nutella. Laisse ça. Chocolat. Et les gens vont souffrir des poisons à l'occasion de la fête de fin d'année. Poisons mutuels les uns et les autres. Empoisonnons-nous, tiens. Chocolat pour toi, chocolat pour toi. Si tu m'offres chocolat, calabacha. Arrière. Ne m'offre rien. Si tu veux m'offrir un chocolat, je te préviens déjà, ne m'offre rien. Ça va aller. Magnifique. Waouh. Waouh, quel silence! Voilà, ça y est, je crois que je t'ai offensé, c'est ça? Je ne t'ai pas offensé, je t'ai délivré de la folie. Mais malgré tout, je vois la tête de ton voisin. Mon chocolat, je le mangerai. Pas de souci, on est ensemble. Dis à ton voisin, on est ensemble. Donc, le Saint-Esprit veut qu'on reste dessus.
Parce qu'il faut sortir tous les dépôts qui ont fracassé, blessé ton âme. Afin que nous rentrions vraiment en 2018, l'âme totalement libérée. Afin que tout ce qui donne, tout ce que Dieu déverse ne soit plus dérobé. Parce que je vous ai dit, et non, je ne l'ai pas dit la dimanche dernière, j'ai dit pendant la semaine, quand le Saint-Esprit m'inspirait, pendant qu'on faisait des temps de prière, quand une âme est blessée, c'est comme s'il y a un trou, il y a une fissure. Vous ne savez même pas comme, il y a un trou, il y a une fissure. Il y a une fuite. Donc Dieu remplit d'amour, mais l'amour fuit. Dieu remplit la paix, mais la paix est dérobée. Ça ne sera plus dérobé au nom de Jésus. Donc on a dit qu'une âme offensée, scandalisée, blessée, c'est une âme qui sera poussée vers la désobéissance à Dieu. Or, on a dit que désobéir à Dieu, c'est être soi-même l'artisan du blocage de sa propre vie de prière. Or, quand tu bloques ta vie de prière, tu n'es pas en train de bloquer ta vie de prière, tu es en train de bloquer ta vie. Parce que le moteur de la vie, de la nouvelle création, de celui qui est né de nouveau, provient de son esprit, de sa vie de prière et de sa communion avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi bloquer ta vie de prière, c'est bloquer ta vie. Et ce qui bloque ta vie de prière, c'est la désobéissance. C'est la raison pour laquelle nous avons dit et nous avons vu qu'il est impératif de faire la guerre aux mauvaises pensées, aux mauvais sentiments, aux mauvaises émotions, parce que ces mauvaises pensées, celles qui ne sont pas les pensées de Dieu, les émotions qui ne sont pas les émotions de Christ, c'est-à-dire le fruit de l'esprit, il faut que tu reconnaisses et que tu réalises que ces choses blessent, agressent, fracassent ton âme. Il y a des choses qui te font sourire, mais ton âme est en train d'être piquée. La jalousie, les critiques, les calomnies, les querelles, les divisions, les disputes, les rivalités, les excès de table, ça te fait sourire, mais en fait c'est un sourire démoniaque parce qu'en réalité, ton âme est en train d'être massacrée. Ces choses blessent l'âme. Et donc, elle la prive. Elle prive l'âme de son repos. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, si tu as compris ce qu'on a dit la semaine dernière, tu as compris qu'il ne faut pas faire la guerre aux gens qui t'ont scandalisé, qui t'ont offensé. Il ne faut pas faire la guerre aux personnes qui nous ont offensés. Mais il faut faire la guerre, pas aux personnes, mais aux pensées mauvaises. Aux pensées mauvaises qui se sont introduites dans ton cœur et qui t'ont poussé à pécher contre Dieu. Ce que je dis est difficile à accepter. Et pourtant, c'est ça la vérité. C'est ça que David faisait. Tu ne fais pas la guerre aux personnes. De toutes les manières, la Bible dit que notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Tu ne fais pas la guerre aux personnes, mais tu fais la guerre aux pensées mauvaises qui se sont introduites à l'intérieur de ton cœur. John Bivère a écrit un livre il y a quelques années. Je n'ai pas lu ce livre, mais j'ai vu le titre. C'était marqué « L'offense, l'âme cachée de Satan ». Bah, je crois qu'en tout cas, il avait vu juste. Et je dirais même que l'offense est la porte d'entrée de Satan. Dis avec moi l'offense. L'offense commence toujours avec une scène, avec un événement que tu as vécu et qui t'a choqué, et qui t'a indigné, et qui t'a vexé, et qui t'a blessé. Et à travers cet événement, une voix monte à l'intérieur de toi. C'est la voix du tentateur qui te dit, c'est pas normal, on ne peut pas vivre ça. C'est pas normal que Dieu ait permis ça. C'est pas normal que les gens aient fait ça. C'est pas normal que les gens te traitent comme ça. Tu dois porter plainte. Tu dois porter plainte. Mais en fait, tu dois porter plainte. Ce que te dit cette voix, tu dois porter plainte. Ça veut dire que tu dois te plaindre. Tu dois grogner, tu dois vociférer. On ne peut pas accepter ça, on ne peut pas endurer ça, on ne peut pas vivre ça, on n'a pas le droit. Non, on n'a pas besoin, on n'a pas le droit de se traiter comme ça là. Tu dois te plaindre des gens et te plaindre aussi de Dieu. Pourquoi Dieu a laissé faire? Plains-toi, grogne, vocifère, lamente-toi. Appuie-toi toi sur ton sort. Il n'y a pas de amen là. C'est une voix intérieure qui est en train de parler. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, là on dit amen. Dis encore amen. Donc, la chair blesse ton âme et une voix te fait ressentir une indignation. Une voix te pousse à te lamenter, à dire non. Ce que j'ai vécu, non. C'est l'indignation. Scandalizo.
C'est ça. Te pousser, une voix vient te pousser à pécher. Une voix vient te pousser à désobéir. À ne surtout pas faire, mettre en pratique la parole de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 18. Là où il est écrit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Non, surtout pas. On ne rend pas grâce. Il n'y a pas de quoi rendre grâce. Surtout pas. Parce que si tu rends grâce, tu es maintenant en train de prier. Et si tu pries, tu verras plus tard que quand tu commences à prier, l'offense va commencer à te quitter. Mais surtout ne rends pas grâce. Plains-toi, lamente-toi, vocifère, indigne-toi, sois choqué, sois scandalisé, sois écœuré, lamente, plains, grogne, fais du bruit. Mais surtout ne rends pas grâce. Or la vérité, c'est que tu vas devoir, une des manières de sortir de l'offense, de l'indignation, de ce qui te vexe, te blesse, te pousse à pécher, c'est d'abord un, rendre grâce à Dieu en toutes choses. Il n'a pas dit rendre grâce à Dieu pour, remets à l'écran. Il n'a pas dit rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Il a dit rendez grâce en toutes choses. Il n'a pas dit pour, il a dit en, c'est-à-dire à l'intérieur. Quand tu traverses ça, rends grâce seulement. Tu ne sais pas pourquoi. Rends grâce seulement. Rends grâce à Dieu de ce qui te tient, de ce qui te soutient, de ce que... Rends grâce à Dieu. Tu as été abusé. Il ne dit pas rends grâce pour l'abus. Il dit remercie Dieu de ce que tu n'as pas été tué. Il y aura toujours un motif de rendre grâce. Tu as vécu une tragédie. Rends grâce à Dieu. Ça aurait pu être pire. C'est déjà très mauvais, c'est sûr. Mais rends grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que rends grâce à Dieu, parce que tu dois reconnaître que même quand cette chose t'est arrivée, Dieu n'a pas quitté le trône. Dieu est toujours sur le trône. Et ma Bible dit, dans sa sagesse, Dieu a toujours un plan. Et Dieu sait faire travailler, concourir toutes choses ensemble pour le bien de ceux qui l'aiment. Rends grâce à Dieu. Parfois, quand un événement arrive, tu n'as pas tous les éléments. Tu as juste un angle de vue. Tu as juste un angle. Tu as juste une partie de la scène. Tu n'as pas toute la scène. Tu as juste ce qui se passe dans le visible. Tu n'as pas ce qui se passe dans l'invisible. Rends grâce à Dieu. Et plus tu rends grâce, plus tu permets à Dieu de faire en sorte que même cette maladie, même cette mort finisse quand même par concourir à faire éclater sa gloire d'une manière ou d'une autre. Dis à quelqu'un, rends grâce à Dieu. Mais l'offense, cette voix va te dire non. Surtout ne rends pas grâce. Pourquoi tes parents t'ont rejeté? Pourquoi tes frères te combattent? Pourquoi tel événement est arrivé? Maudit Dieu, accuse, attaque, agresse. Et cette voix qui te pousse à te plaindre, c'est la voix du tentateur. C'est la voix de l'intrus. C'est la voix du cambrioleur. Le cambrioleur de ton repos. Le cambrioleur de ta paix. Celui qui est venu cambrioler ton amour. Il est venu cambrioler le dépôt de l'amour. Le dépôt de la paix. Le dépôt de la joie. Le dépôt de la foi. Le dépôt de la douceur. Le dépôt de la bonté. Le dépôt de l'humilité. C'est un cambrioleur qui vient scandaliser et voler le dépôt. Est-ce que quelqu'un me suit? Et si tu ne le sens pas, si tu ne lui résistes pas, si tu ne sens pas de ton cœur les graines qu'il a plantées, les graines d'offense, tu seras choqué et surpris de voir comment l'offense peut te transformer en une autre personne que tu n'as jamais voulu être et que tu n'as jamais pensé que tu serais. Est-ce que ça t'est arrivé de voir quelqu'un, tu as connu, on ne parle pas de toi, qui était vraiment bien, admirable, enviable. Et au bout d'un certain temps, tu as observé, tu as regardé et tu te dis qu'est-ce qui s'est passé. Ça t'est déjà arrivé? Et tu te sens juste navré, désolé de voir comment, c'est comme si la personne avait appuyé sur un bouton autodestruction de ma propre vie. Tu as déjà vu ça? Non? Et toi, tu sors pas assez, on dirait. Tu es trop enfermé à l'église, il faut aller un peu dehors, tu vas voir. Parce qu'il n'y a pas ça à côté de toi. Waouh, ça veut dire que nous sommes une bonne église, hein? Mais si tu ne vois pas ça à l'église, ça veut dire que tu nous sommes une bonne église. On peut bénir Dieu pour l'église. Alléluia. Mais malheureusement, même dans l'église, Jésus a dit que Satan trouvera toujours un objet de scandale. Trouvera toujours une occasion de chute. Je prie que ce ne soit pas toi au nom de Jésus. J'ai dit, je prie que ce ne soit pas toi au nom de Jésus. Waouh. J'ai dit, waouh. Wow. Il y avait moi l'offense.
tu vois, je pensais sortir de là. Et le Saint-Esprit m'a amené. J'ai dit, mais il me montre encore des choses sur l'offense. J'ai dit, waouh, Saint-Esprit. Il me dit, il faut qu'on enlève tous les dépôts de l'offense. Il y en a qui travaillent ça depuis 1962. 61. Waouh. Ça fait longtemps. Mais je te vois totalement libéré des offenses. Les offenses accumulées sont complètement désintégrées au nom de Jésus. Un nouveau cœur. En fait, bien aimé, il faut comprendre. Le Seigneur m'a montré que tout commence avec l'offense. L'offense est comme le point de contact entre la chair et l'âme. En fait, l'offense, il m'a montré, c'est l'offense, c'est la piqûre qui pique ton âme et qui cause un trou. L'offense, c'est la piqûre qui pique ton âme et qui cause un trou. Il m'a montré l'offense, il m'a montré ça hier. L'offense, c'est comme une seringue qu'on appuie, qu'on pique, on utilise pour piquer. Et quand tu as, et tu vois, c'est ça, c'est désagréable, ça indigne, ça scandalise, ça fait mal, ça veut dire que ça a piqué. L'offense, c'est comme la seringue. Ça a piqué, mais si la seringue n'est pas retirée et qu'elle reste là, la seringue n'est pas le but. La seringue, c'est juste pour piquer. Le but, c'est de transférer quelque chose à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un me suit? L'offense, c'est la piqûre qui indigne, qui vexe, qui pique ton âme. Mais quand l'offense n'est pas, quand la piqûre n'est pas enlevée, ça veut dire que la seringue est maintenue. Quand la seringue est maintenue et qu'elle n'est pas retirée, cette seringue va devenir un pont, une passerelle, un pont d'accès pour des démons. C'est ça qu'il m'a montré. Waouh! Et quand ces démons de l'extérieur, les démons ont besoin d'un point d'accroche dans l'âme. Et quand le trou là n'est pas bouché parce que la seringue est maintenue, alors à un moment donné, pas tout de suite, mais à un moment donné, il y a un transfert qui s'effectue. Il dit, ça y est, on a la porte d'entrée, maintenant on peut rentrer. Et Jésus dit que c'est là que la vie de la personne, le caractère de la personne, la condition de la personne devient dégradée et devient pire que tout ce qu'elle n'avait jamais été. C'est là que le caractère devient défiguré, dénaturé. Et quand le caractère est dénaturé, c'est la destinée, la destination de ta vie qui est complètement chamboulée. Ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Dis à quelqu'un, ne sous-estime pas l'offense. Tu vois, quand tu prends quelques exemples bibliques, tu vas te rendre compte que la folie d'Absalom, qui s'est rébellé contre son père, la folie d'Absalom, la folie de la rébellion, n'a pas commencé avec la rébellion. En fait, tu vas te rendre compte que c'est fini avec la révolte contre loin de l'Éternel, son propre père David. Mais ça n'a pas commencé avec ça. Ça a commencé plusieurs années avec une offense, une indignation, un scandale lorsque son demi-frère, Amnon a abusé sexuellement, a violé la sœur d'Absalom qui s'appelait Tamar. Et David n'a pas condamné à mort son propre fils Amnon. Un de ses enfants a abusé de sa sœur. Absalom attendait que le père le frappe. Et puisque le père ne l'a pas frappé, alors Absalom a été indigné. Et il n'a pas trouvé le moyen de sortir de cette colère. Et cette colère l'a emmené à d'abord tuer Amnon. Après, il est parti en exil. Et quand il est revenu, il est devenu indépendant. Et après, il a fomenté dans la ruse un coup d'état contre son père. Et c'était sa fin. Parce que Dieu ne te laissera jamais attaquer et réussir ton coup quand tu attaques un loin de Dieu. Jamais. Et quand Dieu n'est pas avec toi, qui sera avec toi? Les démons avec toi, ils peuvent pas prévaloir. Si Dieu est avec son loin, tu ne peux pas gagner. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? En fait, il me montrait, mon point ici, de te montrer avec quelques exemples comment l'offense est juste le point de départ. L'offense, c'est le point d'accroche. L'offense, c'est la piqûre. Mais la piqûre ne va pas rester piqûre. La piqûre va permettre à plusieurs de rentrer. Des empoisonneurs de l'âme. Des démons
vont rentrer à travers cette piqûre de l'offense. J'ai plusieurs exemples. J'ai Simon et Lévi, mais je n'ai pas le temps. Je prends par exemple Marie. Marie a péché par orgueil contre Dieu. Marie, c'était la sœur de Moïse. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais Marie s'est retrouvée avec de l'orgueil dans son cœur. Mais Marie n'a pas commencé avec l'orgueil. Nombre chapitre 12, versets 1 à 2. La Bible dit, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Alors ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Est-ce que quelqu'un me suit? Marie et Aaron ont murmuré, ont parlé contre Moïse parce que Moïse est allé prendre une femme éthiopienne. C'est ça, non? Égyptienne ou éthiopienne? Oui, une femme éthiopienne. Ahambo, éthiopienne? Wow. Beautiful. Magnifique. Il a pris une femme africaine? Moïse, mon gars, tu as le discernement, hein? Je rigole. Oh. Dis, waouh. Mais Marie, c'est quoi ton palabre? C'est quoi ton problème? Marie, c'est quoi? Marie a été scandalisée. Est-ce que c'est ton mari? Non. C'est toi qui choisis? Non. C'est ton mariage? Non. Bon, où est ton problème? Oui, mais pourquoi va prendre une femme éthiopienne alors qu'il y a des femmes hébreux ici? Rien que ça, ça l'a offensé. Tu n'as pas idée de comment parfois, toi tu fais un choix, quelqu'un dit, mais oui, pourquoi? Il est scandalisé. Est-ce que quelqu'un me suit? Et du coup, elle a commencé à murmurer contre Moïse. Elle a commencé à critiquer Moïse. Mais quoi? Dieu ne parle pas que par lui, mais Dieu parle par nous tous. Moi, on m'appelle prophétesse Marie. Moi, je parle, j'entends le Saint-Esprit me parler. Et je dis ainsi, parle le Saint-Esprit. Et c'est vrai. Sauf que Marie a commis une grave erreur. Elle n'a pas compris qu'en fait, Dieu l'avait placée sous l'autorité de Moïse. En fait, Dieu parlait par elle parce qu'elle était sous Moïse. Dieu parlait par elle pour décharger Moïse. Dieu parlait par elle parce qu'elle servait Moïse. Mais elle n'a pas compris. Et si elle dit, l'Éternel ne parle-t-il pas par nous aussi? Il ne parle pas que par Moïse. Ça veut dire que maintenant, elle est en train de sous-entendre. Mais on est égaux. Il n'y a pas que Moïse. Nous tous aussi, on a le Saint-Esprit. Nous tous aussi, on entend Dieu. Waouh, c'est l'orgueil. Ça veut dire qu'on est au même niveau. Dieu parle par lui, Dieu parle par moi. Ce n'est pas parce que Dieu te parle et que Dieu me parle qu'on est au même niveau. Et juste pour fixer les idées, Dieu, dès que la Bible dit l'Éternel entendit, dès le verset suivant, Dieu a dit, Marie, Aaron, venez ici. Dans la tente d'assignation. Maintenant, Dieu va leur parler dans la tente d'assignation. On va au verset 6. On va au verset 6, verset 6. Verset 6, mets plus le verset 6, s'il te plaît. Verset 6, oh là là. 6 et 2, c'est différent. 6, alléluia, gloire à Jésus. Waouh, magnifique. 3. Allez, on y va, rentre à rebours. Voilà, waouh. Ça, c'est l'humour du pasteur Ivan. Donc, à la régie, on est ensemble. Hein? Pas d'offense à l'église. Nous détruisons les offenses au nom de Jésus. Non, mais vous savez, cette histoire d'offense-là, mais c'est tout le temps l'offense-là, mais c'est partout. L'offense pique à n'importe quel endroit. Tu as dit, mais il m'a offensé. Tu n'as pas dit, il m'a offensé. Bon, donc, alléluia. On continue. Dis-moi, amen, en avance. Voilà. Verset 6. Donc, ça, c'est Dieu qui dit. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Verset 7. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, nez en nez. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas crainte de parler contre mon serviteur? Contre Moïse, juste au cas où Marie va dire, contre Aaron, tu veux dire, non, contre Moïse. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et Dieu s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Marie, qu'est-ce qui est arrivé à Marie?
Marie, on est arrivé à se comparer avec Moïse en croyant que, ah ben écoute, on est au même niveau. On n'est pas au même niveau, tu sais pourquoi? Parce que Marie, tu n'as pas souffert comme Moïse. Tu n'as pas été envoyé dans le désert pendant 40 ans comme Moïse. Tu n'as pas les mêmes blessures que Moïse. Tu n'as pas les... Non, parce que le grade spirituel, ce sont les blessures, ce sont les meurtrissures, ce sont les marques. On ne t'a pas sali comme Moïse. On ne t'a pas accusé comme Moïse. On n'a pas jeté des pierres comme Moïse. Tu n'as pas connu ce que Moïse a connu. Non, tu ne peux pas, écoute-moi, tu ne peux pas te comparer à Moïse juste parce que Dieu t'utilise. C'est de la folie. On n'a pas les mêmes souffrances. On n'a pas mis ton nom sur internet. On n'a pas tiré sur toi. Il n'y a pas eu de quasiment 500 000 vues. Non, tu ne sais pas. Toi, dès que quelqu'un te critique, oh, m'a critiqué, c'est pas juste. Et tu veux que te comparer à Moïse? Moi, quand là, ma chatte. C'est pas parce que Dieu parle par toi, parce que tu es un porteur d'âme. Marie. Mais Marie dit non. Dieu et moi, Moïse et moi, même niveau. En beau, bon, viens, tu vas boire la coupe que j'ai bu. Non, 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 ça va aller. Je veux juste les mêmes récompenses que toi. Non, 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 tu vas prendre la coupe que j'ai bu. Et là, demande à ma femme, on va s'asseoir. Je vais te raconter ce qu'on appelle la souffrance. Parce que tu vois le pasteur sourire, tu penses qu'il n'y a pas de souffrance. Tu ne connais pas ma vie. Tu ne connais pas ma vie, tu ne sais rien. Tu ne sais rien, tu ne sais que ce que tu vois à l'écran. Tu ne sais pas. Shut up, calme-toi, tu ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a des choses, tu ne sais pas. Tu n'as aucune idée du nombre de fois où je n'ai même pas envie d'aller parler, prêcher. Tellement tout en moi a été frustré. Tu ne sais pas. Reste tranquille. Je sais, moi je sais ce qu'on appelle l'obéissance dans la souffrance. C'est-à-dire que tout en toi souffre, mais tu obéis quand même. Calme-toi. Jeune homme, calme-toi, popo. Calme-toi, prophète. Calme-toi, prophétesse Marie. Calme. Oh, j'aime cette parole. Oh, calme ton chakra là-bas. J'aime ça. Hey, je dis hey. Hey. Tu crois que l'autorité spirituelle, c'est juste le Seigneur me dit non, non, non. Calme-toi. Je sais pas pourquoi je parle de ça, mais calme-toi. Waouh, magnifique. Magnifique. Mais mon point, c'était juste de te dire. Tu vois, j'arrête de m'exciter là. Allez, allez. Allez. Ferme les yeux. Wow. Mon point, c'était juste de te montrer. Marie n'a pas commencé parce que l'orgueil, c'est de la folie. L'orgueil signifie que tu es sur le point de tomber. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. L'orgueil signifie que tu es sur le point de tomber de très haut. Il faut qu'on intercède pour quelqu'un qui est orgueilleux, afin que Dieu ne le lâche pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais Marie n'a pas commencé avec l'orgueil. L'orgueil n'est pas venu aujourd'hui, au début. Non, non, non. Au début, c'était une piqûre. Elle était offensée du choix de Moïse. Elle est partie de cette indignation. Et puis, quand la seringue n'a pas été, elle n'a pas trouvé le moyen. Elle n'a pas trouvé le moyen de sortir, de sortir cette offense de son cœur. Elle n'a pas trouvé le moyen d'excuser Moïse. Elle n'a pas trouvé le moyen de relativiser le choix de Moïse. Parce que je t'ai dit que pour sortir de l'offense, il faut développer l'amour qui excuse. Il faut trouver une raison, même si ce n'est pas la raison, tu dois trouver une raison pour ne pas garder l'offense. Elle n'a pas trouvé ça. Elle a dit, si je garde. Et quand elle a gardé, l'orgueil est rentré. Que ça ne rentre pas en toi au nom de Jésus. J'ai pas entendu toi-même. Pour le roi Saül, tout a commencé. Saül n'était pas un criminel. Saül n'était pas un assassin. Saül n'était pas quelqu'un de jaloux. Non! Il est devenu jaloux, meurtrier, assassin de 80 sacrificateurs de l'Éternel. Comment? Tout a commencé avec une simple offense. Indignation. Il n'a pas trouvé les ressources. Il n'a pas trouvé le moyen de se débarrasser de cette émotion. Quelle émotion? Il s'est senti vexé. Pourquoi? Parce que les bonnes mamans ont juste eu là. Mais elles ont chanté. Saül a tué 1000. David 10 000. C'est tout. Tandis qu'il y a quelqu'un qui chante sa chanson. Oh! Le gars chante sa chanson. Il y a une femme qui chante sa chanson, les autres sont fâchés. Parce qu'elle a mentionné David.
Saül 1000, David 10 000, Saül est vexé. C'est moi le roi. Donc on me donne 1000 et à David 10 000. Bon, d'accord. Et, donc, il... et la Bible dit au verset 1 Samuel 18, verset 8, Saül fut très irrité. Et cela lui déplut. Vexé. Au début, il a été piqué. Mais il n'a pas trouvé le moyen de dire, bon, allez, c'est pas grave. De toute façon, David est à mon service. C'est un bon général. C'est un bon gars. David tape là, félicitations et tout. Non, 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 pourquoi, pourquoi, pourquoi? Il n'a pas enlevé la serrure. Et quand il n'a pas enlevé, la serrure est restée. Le trou était là. Chou, il y a un transfert. Un esprit de jalousie. Après, un esprit de meurtre. Un esprit d'assassinat est rentré à lui. Ça prouve que lorsque tu ne te libères pas de la piqûre de l'offense, elle va te piéger, elle va servir, cette piqûre, cette seringue de l'offense va servir de pont de transmission, de relais de transmission qui vont permettre à des démons de rentrer. Et ces démons, je te promets, vont faire de toi quelqu'un que tu n'as jamais désiré, ni prié, ni aspiré, ni souhaité être. Mais tu vas être piégé. Personne ne décide d'être mauvais. Les gens sont piégés. Pourquoi? Par un dépôt qui était là. Tu n'as pas enlevé la seringue. Et la seringue a fait rentrer. Des démons. Ne sous-estime pas l'offense. Tout commence par une piqûre de ton âme. Et ce qui est fort avec la piqûre, c'est comme les vaccins. Ce qui est fort, c'est que, ok, ça fait mal. Mais juste après, qu'est-ce que tu sens? Ça va. Ça n'a l'air de rien. C'est juste le contact qui fait mal. Dès que la seringue est rentrée, ça va maintenant. Tu n'as pas compris que pour le diable, c'est la chair qui a piqué. Et dès que tu dis ça va là, ça... mais pour le diable, ce qui comptait, c'est que la seringue reste. Quand tu dis, au début tu as eu mal, maintenant après tu dis non ça va, ok. Mais tu l'as gardé, la seringue est connectée. Le sentiment est là, la blessure est là, la colère est là, l'indignation est là. Quand tu dis ça va, certains disent c'est bon les gars, ça va aussi. Transmission, allons-y. Soit en parachute. Non, tu sais dans les films là, où tu vois un fil, on met un fil d'un, on met un fil d'un point à un autre. Et puis maintenant les fonds spéciaux à travers le fil, chut, ils arrivent. C'est exactement ce qu'on fait les démons. La seringue a été positionnée, les démons prennent la corde, chut, et puis ils atterrissent dans l'âme. Ouf, on est là. Maintenant le caractère de la personne devient de plus en plus odieux. Ça a commencé comment? Une offense. Waouh! J'ai dit waouh! Si tu laisses, si tu ne retires pas la seringue, cette piqûre finira par s'infecter comme une gangrène qui ronge pas ton corps, mais ton âme, c'est-à-dire ta vie. Parce que le mot âme, c'est le mot vie. Seigneur, que ça ne t'arrive pas. Je prie au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu, amen. Si tu te laisses offenser, tu dois comprendre que c'est toi, si tu te laisses offenser, c'est toi que le diable va défigurer. C'est toi que le dévoreur va dévorer. C'est toi que le serpent va mordre. C'est toi que l'ennemi va assécher. C'est personne d'autre. Si tu te laisses offenser, c'est toi qui sera dispersé, éloigné, asséché. Il y a un but derrière l'offense. Te retirer, te sécher, te faire mourir. Tu deviens comme un mort vivant. C'est-à-dire que tu te balades dans les rues, mais tu n'as plus d'espoir, tu n'as plus d'espérance. Tu es juste flagada, tu es juste nonchalant. Il n'y a ni paix, ni joie, ni amour, ni espérance, ni foi. Parce que tu es tellement oppressé de l'intérieur par toutes sortes de démons auxquels tu as donné accès à ton cœur. C'est le piège de l'offense. Que le Seigneur te sorte définitivement de ce piège de l'offense au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu toi, amen. Tu n'as pas idée. Comment on peut servir Dieu? Le nombre de pasteurs qui sont offensés contre un personne chrétien, c'est impressionnant. Tu ne les connais pas. Je ne les connais pas. Ils ne me connaissent pas. Mais quand ils entendent Castanou, Dieu, mais des mangas, on est ensemble. On est une famille. Non, on n'est pas une famille.
Je ne l'ai jamais vu. Je ne le connais pas. Il ne me connaît pas. Mais tu sais pourquoi il est offensé? Il ne peut pas expliquer pourquoi. Il sent juste qu'il est offensé. Moi, je sais, mais quand tu demandes pourquoi? Ouais, mais... Mais ne te dis pas sa vraie motivation. Quelqu'un que tu n'as jamais rencontré, pourquoi il va t'en vouloir? Il ne te connaît pas. Ah! Ouais, mais on parle trop de lui. En plus, maintenant que vous avez changé votre salle, là, ICC, alors là, je vous garantis, hein, la haine a été multipliée. Parce que maintenant, votre salle, là, ouais, mais leur salle, là, c'est la chair! Elle est bien, là. Oh, déjà que je l'ai haïssé avant, alors là. Donc, tu en as? Mais là-bas, c'est orgueilleux. En quoi? Dis-moi, à quel moment tu as vu l'orgueil? Ils confondent l'assurance et l'orgueil. C'est-à-dire qu'ils voudraient, en fait, ils voudraient que quand je me balade, je sois dos bossu et que je me plaigne comme tout le monde. Oh, la France est dure. Nous, on rame, il n'y a pas de dîme, il n'y a pas d'offrande, c'est la galère, on n'arrive pas à faire une conférence, même pour 20 000 euros, on n'a pas le budget. Bon, maintenant, lui, il apprend que vous avez pris le palais des congrès, 5 000 personnes. Offense, ah non, c'est ça, non mais c'est la raison. Qu'est-ce qu'ils veulent montrer? Mais qu'est-ce qu'on veut montrer? On ne veut rien montrer. On veut offrir à Dieu une plateforme pour attirer les nations à la capitale de la francophonie. On veut que la bannière du royaume flotte sur la capitale de la francophonie. Est-ce qu'on a l'argent quand on fait ça? Non, on marche par la foi. Et on se dit, Dieu va pourvoir. Est-ce qu'on a l'argent pour Haïti? Non. Est-ce qu'on a l'argent pour le bâtiment qu'on veut construire? Non. Nous, on marche sur l'eau. Dieu dit va. Et dit, Seigneur. Jésus, j'aimerais bien. Seigneur, faut bien me tenir. Saint-Esprit, accroche-moi bien. Parce que c'est ça, on marche sur l'eau. Maintenant, quand Pierre doit marcher sur l'eau, les gars qui étaient dans la barque là, qui n'ont pas bougé. Ouais, mais Pierre, tu es orgueilleux. C'est ça. Parce que Pierre a marché sur l'eau. Tu entends les commentaires des autres. Orgueilleux. Alors, quand il coule, voilà. On t'a fait de rester avec nous. Maintenant, chante à la chaya. Wow. Wow. Ah. Donc, quand Pierre coule, tu n'as pas idée. Écoute-moi. ICC, famille ICC, on doit réussir le pari d'aménager là-bas. Il y en a qui sont en train de prier pourvu que ça échoue. Tu sais, c'est la mentalité des crabes. Tournez les crabes, non, la mentalité des crabes. Tout le monde dans le même panier, personne ne sort. Quand tu veux sortir, les pinces des uns disent, mon gars, on est ensemble, on rame ensemble, on galère ensemble, on meurt ensemble, on échoue ensemble. Sans effet. J'ai dit fire. Acclame. C'est quoi? Les gars n'osent pas. Et quand ils ont osé, ça s'est mal passé. Donc toi, tu as osé, ça s'est bien passé. Au lieu de comprendre pourquoi ça s'est bien passé quand tu as osé. Et si tu poses la question, je vais te parler de l'importance de l'écoute du Saint-Esprit. Mais non, moi ça s'est mal passé. Lui, ça s'est bien passé. Je suis offensé. Donc quand tu dis Castanou, il n'y a pas de problème, mon frère. Pour moi, on reste une famille. Je ne vais jamais te critiquer, jamais t'injurier. Pour moi, on est quand même ensemble. Tu ne veux pas de moi, on est quand même dans la même famille. Si tu ne veux pas de moi, tu vas aller en enfer, hein, parce que tu vas me voir dans l'éternité. Donc je te conseille de m'aimer. Waouh! Ma clame. Pasteur offensé. L'offense ne respecte pas le titre. Ni l'office, ni l'onction, ni la fonction. L'offense, c'est la piqûre. Si tu n'enlèves pas la seringue là, un transfert va avoir lieu. Une histoire triste. Triste, mais je vous la raconte pour édification. Une soeur, une fille à nous, un leader de l'église, il y a à peu près un an. Un leader, une fille en apparence bien. Parce que tu sais, devant les pasteurs, tout le monde a l'air bien. Parce que les gens prennent la posture de l'agneau. Dignes-tu, agneau de Dieu? Devant le pasteur. Oh, pasteur, que Dieu te bénisse.
J'aime le Seigneur. Devant le pasteur, tout le monde est comme ça. C'est rare de voir quelqu'un qui vient devant le pasteur. Tout le monde est là toujours. Oh, le Seigneur a tellement fait dans ma vie. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est miséricordieux. Alléluia. Et nous, on croit aussi. L'amour ne soupçonne pas le mal. Donc, on croit. Mais sauf que, on s'est rendu compte que, à un moment donné, la sœur avait des sérieux problèmes dans son âme. Des problèmes de sécurité personnelle. Donc, c'est, tu sais, je te disais une fois, il y en a qui quittent l'église parce que. Il y en a qui quittent l'église parce qu'elle n'est pas assez proche du pasteur principal ou de tel pasteur. Et comme telle personne est proche du pasteur, pasteur Peggy, hein, tout ça, toi tu es proche du pasteur Ivan, bah, du coup, donc tu vois, le genre. Donc maintenant, je vais monter une histoire contre pasteur Peggy. Donc, elle a commencé à inventer des choses. Mais on ne savait pas. Elle a parlé à un pasteur. Le pasteur aussi, il était choqué. Parce qu'elle a commencé à parler d'abus. Il m'a injurié, elle m'a maltraité, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. J'en dis. Mais c'est grave, si c'est ça. Elle a fait ça, donc elle accusait une autre sœur, leader, qui travaillait à côté de moi. Elle commence à accuser. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Confrontation. On s'est assis. Pasteur Jacques, pasteur Maud, pasteur Ivan, pasteur Mira, et puis les deux sœurs. Et puis il y a un pasteur qui était convaincu que la sœur là, qui accusait là, elle avait raison. Et puis, on a écouté les arguments. Il faut toujours écouter. On a écouté. Et puis en écoutant, il y avait beaucoup d'incohérences. Bref, pour raccourcir l'histoire, on s'est rendu compte que la sœur avait tout inventé. Il n'y avait rien. Elle a tout inventé, conçu. Et puis nous, pendant la réunion, on voit une personne qui a une double personnalité. Comme un schizophrène. Yeah. Mais c'est un esprit de manipulation. C'est-à-dire qu'à l'église, elle est gentille, elle est superbe. Mais en fait, il y a un vrai esprit. J'ai dit, wow. Esprit de manipulation en direct. Et je te dis, tu sais, il ne faut pas quand les gens pleurent. Les esprits savent pleurer. Je te dis. Ils savent pleurer. Faut jamais t'arrêter aux larmes. Pharaon a pleuré. Il pleure. Parce qu'il y en a dès que quelqu'un pleure. Non. Oh, c'est un discours émouvant. Prends le mouchoir. Moi, quand tu pleures. Bon, si je suis. Bon, ce jour-là, je ne peux pas me te donner un Kleenex quand même. Je ne suis pas quelqu'un de glacial. Je te donne un Kleenex. Mais ce n'est pas parce que je te donne le Kleenex que je crois dans ta version. Jamais. Jamais. Donc, on a compris qu'il avait un esprit de manipulation. Et ce jour-là, quand on a fini la réunion, je suis resté avec elle, moi, dans mon bureau. Le pasteur Jacques est venu après. Je lui ai fait comprendre qu'on l'aime, que tu es notre fille. Tu as un problème, on va t'aider. C'est possible de sortir de là, c'est un démon. Mais il va falloir rééduquer ton âme. Crucifier ta chair, rééduquer ton âme. On va t'accompagner. On est ensemble, on est une famille. Il faut que tu fasses comme je disais dans mon livre, neutraliser la chair. Il faut que tu ailles rencontrer Dieu. Prie. Que le Seigneur te montre, parce que ça n'a pas commencé. Ton problème, ce n'est pas cette sœur. Ton problème, c'est depuis ton enfance. Il y a un esprit de manipulation qui est rentré. La Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Donc, il faut que le Seigneur te montre où est-ce que tu as commencé à chuter. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis après, on va faire un travail d'accompagnement ensemble. On va faire ça ensemble, d'accord? Oui, pasteur, oui, pasteur. Elle est sortie de mon bureau. Une semaine après, elle a quitté l'église. Elle a disparu, elle ne répond plus aux appels. Dès qu'on l'appelle, mais qu'est-ce qui se passe? On veut rien. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'elle suivait, enfin, elle communiait avec au moins, oui, à peu près autour de 8 personnes, 8 sœurs, dans l'église, qui servaient avec elle. Elle, on ne savait pas. J'ai appris ça la semaine dernière, qu'en fait, elle est allée dire à ses sœurs, le pasteur Ivan, il y a eu tel problème avec telle sœur, le pasteur Ivan a choisi son parti et il m'a chassé de l'église. Elle a dit ça aux 8 sœurs, je ne sais pas s'il y en a 8 ou 10, les 8. La moitié a dit, quoi? Pasteur Ivan t'a chassé. C'est injuste, c'est indigne, c'est nul. Elles sont immédiatement, elles ont quitté l'église. La moitié a quitté l'église. Sur la base de ce qu'elle a dit. L'autre moitié est restée là. Je ne sers plus à l'église. Je suis offensé, scandalisé. Comment le pasteur peut faire ça? Donc du coup, ça fait un an, elles ne servent pas. Elles ne servent plus. Elles sont là. Elles végètent. Elles font leur truc. Elles font le strict minimum. Je dis, mais tu sais, la Bible dit dans Proverbe 18, verset 17. Proverbe 18, verset 17. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste, ou encore d'autres versions disent il paraît avoir raison. Viens la partie adverse et on examine. Quand quelqu'un te parle, même quand il pleure, oh, on a fait ci, on a fait ça de moi, maman, papa, prends la version, va écouter l'autre partie. C'est ce qu'on appelle la sagesse. C'est ce qu'on appelle la sagesse. C'est la sagesse. Ainsi, tu as à peu près 10 sœurs. La moitié a été scandalisée
elles n'ont même pas vérifié, elles ne connaissent même pas la version. Elles sont parties, elles ont non seulement maudit l'église, sali l'église, mais en plus, elles ont attaqué loin de Dieu. Et maman, elles ont critiqué le pasteur. Mais le Saint-Esprit m'a dit, même si le pasteur avait mal fait, ne t'en prends jamais à un Moïse. Jamais. Mais en plus, là, le gars n'y est pour rien. Il ne sait même pas. Tu n'as pas idée du nombre de choses. Non, c'est parce que je n'ai pas le temps. Je vous raconte des histoires. Le nombre de gens qui montent des trucs. Je dis, mais il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message sur Internet. Une soeur, pour dénoncer un frère qui est un coureur de jupons, qui l'a fiancé, qui l'a abandonné. Elle est scandalisée. Oh, elle croyait que vraiment c'était un homme de Dieu. Le gars, il va à ICC et il est responsable du protocole à ICC. Le gars, il s'est défini comme responsable du protocole auprès du pasteur Ivan. Je pensais que vous étiez quelqu'un de bien, mais cet homme ne reflète pas vos valeurs, votre message. Bon, elle encore, elle n'a pas dit je suis un faux type. Dieu merci, alléluia. Enfin, une personne, au moins une personne ne m'a pas jeté des pierres. Elle dit non, mais je vous écoute, parce que c'est lui qui m'a poussé à vous écouter. Je vous écoute, mais vous n'êtes pas quelqu'un de mauvais. Mais il ne reflète pas vos valeurs. J'ai dit de quoi encore il s'agit, maman, c'est quoi? Ouais, c'est votre responsable de protocole. Il s'appelle Intel. J'ai dit, mais quel Intel? Je ne connais pas. J'ai dit, vous parlez de Boissy? Oui. J'ai dit, mais on n'a pas de. D'abord, le responsable du protocole, c'est une femme. Ce n'est pas un homme. Elle m'envoie la photo. J'ai dit, je ne connais pas ce gars-là. Donc, j'envoie la photo dans notre base de données. On regarde. Le gars n'est dans aucun service à ICC. Le gars ne vient même pas à ICC. Mais il se sert du pasteur Ivan. Donc, il va, il scandalise les filles sur Internet. Et puis, il dit, je sais, auprès du pasteur Ivan. Hey, qu'est-ce que pasteur Ivan a fait? Oh, Jésus. Oh, mon Dieu. Tout ça pour moi. Voilà pourquoi je te dis que faut arrêter de croire que parce que tu te parles qu'on a le même grade, tu n'as pas le même genre de bizarre, l'histoire bizarre qui tombe sur toi. On met ton nom dans tous les dossiers. Ce que tu n'as pas dit, on dit que tu as fait. Ce que tu n'as pas fait. Ah! Seigneur Jésus, je te rends grâce en toutes choses. Oh, alléluia. Wow. Magnifique. J'aime ça. J'aime ça. C'est Dieu qui permet ça. C'est pour te faire mourir à toi-même. J'ai dit, waouh, Seigneur, vas-y. Je vais composer un de ces quatre, une chanson, où dans les mots, il faut qu'il y ait « tue-moi seulement ». Oh, je suis d'accord, tue ma vie. T'as dit, fais-moi mourir, non, pas physiquement, mais c'est l'âme, là, tu vois, non? La mort à soi, c'est ça. Hey, il y a trop d'histoires bizarres. Tout ça, là, c'est sur Castanudo. Donc, tu as 5 personnes qui ont été scandalisées et dont je te garantis, elles vont sécher, elles vont se détruire, c'est sûr. Et la sœur là, et 5 autres qui sont là, enfin je sais pas, la moitié qui sont là, mais qui sont dans la sécheresse. Je dis, mais quand tu vérifies, pose la question. Et en plus, le pire, c'est quand tu attaques un noir. Mais moi, je sais ce qu'il faut faire. Quand c'est comme ça, je demande pardon à Dieu, toujours. Toujours. Il faut toujours demander pardon pour la folie. Toujours. Parce que si tu ne demandes pas pardon pour la folie, Dieu va la frapper. Donc je demande pardon. C'est pour ça qu'elle a... Mais c'est même pas que c'est grâce à ma prière que la personne a. Oh. Et puis ils te disent même pas merci. Hein. C'est pas grave. Au lieu de dire, pasteur, je t'ai sali, je t'ai calomnié. Mais grâce à tes prières, tu as demandé pardon pour ma folie, je suis encore là. Je continue de détruire, de manipuler les gens. Mais je suis là, bien en place. Dis-moi moi, merci quand même, vraiment. Et puis en revanche, je vais encore tirer sur toi. Parce que l'église où elle est partie là, les gars, ils savent pas ce qu'ils ont reçu. C'est pour ça que toute personne qui vient à l'église n'est pas toujours une bénédiction. Ils sont contents. Tu étais où à ICC? Oh, viens, viens servir. Hé, les gars, vous avez pris un serpent, maman. Et je suis sûr que même auprès du staff pastoral, elle m'a sali. Waouh. J'ai été tenté de dire, je vais quand même dire au pasteur, parce que je le connais, que là, quand même, il faut qu'il fasse attention avec la personne. Mais si tu fais ça, ils vont croire que tu essaies de te défendre de... Je dis, ah, Dieu va leur révéler. Dieu révèle, non? Les gars, priez bien. Priez bien. Jeûnez, priez. Faites 21 jours, 21 jours comme nous, hein, parce que là. Ouh, alléluia. Waouh. Acclame le Seigneur. Waouh. Waouh. Donc, tu comprends, bien aimé, que tu dois trouver le moyen de faire en sorte que Satan ne scandalise plus ton âme, n'offense plus, ne blesse plus. Et Jésus nous a montré que c'est possible. Comment? Il a dit veillez et priez.
afin de ne pas tomber en tentation. Si vous veillez et priez, ça va aller. Vous serez préservés. Je nous vois préservés désormais des offenses au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Dis avec moi, veillons. C'est ce qu'on a déjà expliqué la semaine dernière, mais je vais revenir encore dessus, puis on va clôturer. Dis avec moi, veillons. Veiller, ce n'est pas être figé comme une statue. Non, ce n'est pas ça, veiller. Veiller a deux aspects. Le premier aspect de la veille, c'est empêcher tout intrus, tout cambrioleur, tout voleur d'entrer. Dis amen si tu me suis. Veiller consiste à être vigile, monter la garde pour empêcher que l'intrus ne rentre. Mais c'est le premier aspect, c'est pas le seul aspect. Parce que même quand tu montes la garde, il arrive qu'il y ait des petits malins, des petits filous qui aient quand même réussi à rentrer à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, que fait le veilleur? Le veilleur ne monte pas que la garde pour empêcher les gens d'entrer. Le veilleur, c'est celui qui, quand un intrus est rentré, il va le chercher par le col, mais s'y est sauté du magasin. Et puis tu le jettes dehors. C'est ça, veiller. Ce sont les deux aspects. J'ai pas entendu toi, Ben. Dis-moi encore amen. Dans le monde naturel, si tu arrives chez toi et que tu vois un cambrioleur, ta première question, ça sera hey, qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Qu'est-ce que tu fais là? Ça, c'est la première question. Tu es qui? Tu fais quoi ici? Maintenant, si, d'après ton examen du rapport de force, tu as la capacité de les déloger, tu vas foncer sur lui et l'attraper. Si tu sens que c'est compliqué, tu vas fuir ta maison. Ah, c'est cool. Police, c'est cool. Invoque le nom de Jésus dans ce cas-là. Ça sera plus rapide que la police. Je n'ai pas entendu ton amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, veiller, c'est empêcher l'entrée. Mais la vérité, c'est qu'il y a des pensées. Et c'est la même chose pour l'âme. Veiller sur les portes de ton cœur. Tu vas te rendre compte que tu pourras empêcher certains de rentrer. Mais il y en a, ils étaient déjà rentrés. Ah, pendant que tu dormais là, pendant que tu ne t'es pas converti, il y a des tristesses, il y a des dépressions, il y a des impudicités, il y a des jalousies, il y a des querelles, il y a des rivalités. Qui était déjà rentré? Qu'est-ce que tu dois faire? C'est ce dont j'ai parlé la semaine dernière. Tu dois maintenant faire comme David, tu dois aller parler à ton âme, tu dois aller attraper la dépression, la tristesse, pour lui demander ce que tu fais sur le plan naturel. Qu'est-ce que tu fais chez moi? C'est ça que tu dois demander aux pensées qui ne sont pas de Christ, aux émotions qui ne sont pas de Christ. Qu'est-ce que tu fais dans mon cœur? Dégage de là. Dis amen. Amen. Tu dois déloger ce qui n'était pas de Dieu. Mais après, tu dois aussi remplacer. Tu vois, tu dois chasser les mauvaises pensées, mais tu dois remplir de la pensée de Christ. Et ça, c'est le deuxième aspect dont je n'ai pas parlé la semaine dernière et que le Saint-Esprit me montrait hier. Tu vois, et c'est ce que David faisait. David avait l'occasion, l'habitude de parler à son âme. David disait, regarde, tu vois, David faisait deux choses. Il disait, dans Psaume 43, verset 5 qu'on a vu la semaine dernière, « Pourquoi t'as battu mon âme ?» Là, il est en train de parler à son âme. Il est en train de voir qui s'est intrus, qui s'est introduit. La jalousie, pardon, pas la jalousie, le rejet, l'abattement, le découragement. Qu'est-ce que tu fais là? Sors de là! Tu n'as rien à faire de mon âme. Mais il faisait un deuxième aspect. Il faisait un deuxième travail. C'est que David remplissait son âme. Et c'est l'aspect que nous devons comprendre, à montrer le Saint-Esprit. Il devait apprendre à annoncer à son âme la bonne nouvelle. On y va. Psaume 103, verset 1 à 3. On va lire jusqu'au verset 5. Psaume 103. Regarde ce que faisait David. Psaume 103, verset 1 de David. Mon âme, virgule. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de commander à son âme de bénir l'Éternel. Dis amen. Amen. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme, je t'ordonne de bénir l'Éternel. Et s'il te plaît, mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, tu dois te souvenir de ses bienfaits. Pourquoi David dit ça à son âme? Parce que son âme n'a pas forcément vu les bienfaits de Dieu. Son âme a la mémoire de l'offense, a la mémoire du rejet. Ah, mon père m'a rejeté, mes frères m'ont méprisé, ma mère m'a abandonné. Ça, c'est le souvenir de son âme, de son enfance, de son éducation, de son vécu. Mais mon âme,
mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Juste pour que l'âme se souvienne, de comprendre de quoi elle est en train de parler, David va juste après énumérer quelques-uns de ses bienfaits à son âme. Et regarde, David est en train de parler à son âme. Hein. Dans tous les cas, il ne parle pas de son âme, il parle à son âme. Dis amen. J'ai pas entendu. Maintenant, regarde le verset 3, il dit quoi? C'est quoi les bienfaits? L'âme demande, mais de quel bienfait tu parles? Moi, je ne vois pas. Moi, je ne vois pas de bienfaits. Non, David dit, non. Mon âme, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui a compassion de toi. C'est lui qui pardonne tes péchés, mon âme. Si Dieu ne te pardonnait pas, ça serait fini pour toi. Dieu pardonne tes iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies, mon âme. Est-ce que tu sais que ce ne sont pas les médicaments? Ce ne sont pas les médicaments qui te guérissent. L'âme dit, en bon. Non. Parce que c'est Dieu, c'est l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Les médicaments soignent, mais Dieu guérit. Parce que si Dieu ne tend pas sa grâce, sa main de compassion, hey, écoute-moi, quand il y a un démon qui est en train de ronger ta santé, aucun médicament ne va te guérir. C'est pour ça qu'il y a des trucs chroniques. Si c'est un démon, aucun médicament. Si la maladie est partie, ne dis pas, oh merci laboratoire Intel, vous m'avez guéri. Non, dis merci à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont pris le même traitement qui sont morts. Si le traitement marchait sur toi, c'est encore une grâce de Dieu. Mon âme, ne t'appuie pas sur les laboratoires. Ne célèbre pas les laboratoires. Mon âme bénit l'Éternel. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, mon âme. Tu as aidé un homme de foi où on a voulu t'enterrer, où on a lancé contre toi des paroles, des incantations, des sortilèges, et puis on a voulu t'enterrer. On a même vu en vision, oh, ton cercueil, mon âme. Si tu es sorti de la force, c'est Dieu qui le fait béni. Il est en train de raconter, de compter les bienfaits de Dieu. Et c'est pas fini, mon âme. C'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. Lorsque les gens sont bons avec toi, c'est parce que Dieu passe par eux pour qu'on manifeste la bonté envers toi. Lorsque les gens, mon âme, sont miséricordieux envers toi, lorsque les gens, malgré tes fautes, tu as péché, les gens ne te condamner, de te jeter la pierre, les gens disent, c'est pas grave, on reste ensemble quand même. C'est parce qu'en vérité, c'est Dieu qui est en train de couronner ta vie, mon âme, de bonté et de miséricorde. Et ce n'est pas fini, mon âme. L'âme dit, en beau, il y a encore autre chose. Oui. C'est lui qui te rassasie de bien. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Mon âme, si tu n'es pas broke, down, fauché dans ta vieillesse, c'est parce que Dieu a rassasié de bien ta vieillesse. C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. Lorsque vieux, tu as encore la vigueur, tu as encore la force. Ne dis pas, oh merci, le sport. Le sport t'a aidé, mais c'est la grâce qui t'a aidé à bien manger et à faire du bon sport. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui mangent bien, qui font du sport, mais qui sont quand même malades. Alors mon âme, tout ça n'est pas le fruit du hasard, c'est le résultat de la bonté de Dieu. Ce sont les bienfaits de Dieu, mon âme. Et l'âme dit en bon, ah d'accord, oui, il faut éduquer ton âme, il faut éduquer, il faut reprogrammer ton âme. Oh, quelqu'un me dit amen. Le Saint-Esprit m'a dit, ton âme, tu dois la rééduquer, tu dois lui parler, tu dois lui annoncer les choses. Pourquoi? Parce que ton âme, dans l'âme, il y a l'éducation, il y a les pensées, il y a les émotions. Dis amen. Ton âme n'a comme documentation que tout ce que tu as vécu, tu as entendu, tu as vu, tu as touché, tu as respiré, tu as goûté. Ton âme n'a rien d'autre. Ton âme ignore ce que Dieu a fait en toi, ce que Dieu a fait de toi quand tu as accepté Jésus, et ce que Dieu a fait pour toi à la croix de Golgotha. Ton âme ne le sait pas. Et c'est à toi. Toi qui es né de nouveau, loi, l'esprit, c'est à toi de lui parler. C'est à toi de parler à ton âme. Je n'ai pas entendu toi-même. Tu dois lui donner des nouvelles informations. Tu dois dire à ton âme ce que Dieu a fait. Tu sais pourquoi? Parce que ton âme n'en sait rien. En fait, ton âme n'est pas connectée au Saint-Esprit. C'est toi, esprit, qui est connecté au Saint-Esprit et qui doit dire à ton âme ce qui vient du Saint-Esprit. Ton âme n'en sait rien. Et c'est parce qu'elle n'en sait rien qu'elle a tendance, un, à se sentir triste, à se sentir rejetée, à se sentir coupable, à se sentir inquiète. Pourquoi? Parce que ton âme a toujours vécu comme ça. Est-ce que tu sais que ton âme ne sait pas que tu es né de nouveau? Ton âme ne sait pas que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses dans cette... En fait, ton âme ne sait pas qu'un nouvel homme est dans la place. Ton âme ne sait pas qu'un nouveau commandant de bord est dans la place. C'est le Saint-Esprit lié à mon esprit. Ton âme ne sait pas que l'homme qui est né de nouveau là, c'est un héritier. Il n'est plus déshérité. Il n'est plus broke down. Et que celui qui est né de nouveau, ton âme ne sait pas
chaque celui qui est né de nouveau est une nouvelle personne. Et quand il a atterri dans ce corps, il atterrit avec un paquet qu'on appelle l'héritage. Ton âme ne le sait pas. C'est à toi de dire à ton âme, hé, hey, mon âme, je ne suis pas prophète, hey, calme-toi, mon âme. Ton passé ne sera pas ton futur. Oh, mais quelqu'un me dit amen. Ton âme n'a pas accès aux informations concernant ton potentiel, concernant ta destinée, concernant ton héritage, concernant les projets que Dieu a formés sur toi, projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Ton âme n'a aucune idée de la richesse du dépôt glorieux qui est dans ce nouvel homme-là, qui est né de nouveau et qu'on appelle Christ. Ton âme ne connaît pas ces choses. Tu sais pourquoi ton âme ne sait pas ça? Parce que ce sont des choses, 1 Corinthiens 2 verset 9 te dit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. L'âme ne peut pas savoir ça. Ce sont des choses qui sont téléchargées directement du Saint-Esprit à ton esprit. Et c'est à toi, monsieur l'esprit, de dire à ton âme, hé, hey, mon âme, je vais t'expliquer. Je ne suis pas gros, je ne suis pas désespéré, je ne suis pas abandonné. Non, mon âme. Et en fait, ce que j'essaie de te dire, c'est ne subis jamais. Voilà pourquoi il faut que tu arrêtes de parler de ton âme. Ne subis jamais les pensées, les sentiments de ton âme. C'est normal que ton âme soit inquiète. Tu sais pourquoi? C'est normal que ton âme se sente rejetée. C'est parce que si c'est ça qu'elle a vécu dans le passé, dans l'enfance, c'est normal qu'elle sente ça aujourd'hui. Mais il me dit de te dire, ne subis pas ça. Tu dois proclamer à ton âme la vérité. Tu dois raconter à ton âme la bonne nouvelle. C'est comme ça que tu dois lui donner de nouvelles informations. Alors, juste pour te donner quelques exemples. Tu vois, tu dois dire à mon âme, tu dois dire à ton âme, et mon âme. Parce qu'en fait, ton âme ne sait pas. Elle ne sait pas. C'est toi qui dois l'informer. Dis encore amen. Le problème, comment tu informes ton âme quand toi-même tu ne sais pas? C'est toi qui dois annoncer la bonne nouvelle à ton âme. C'est toi qui dois parler à ton âme de l'échange divin. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Comment Dieu est? Mon âme, tu ne sais pas. Tu n'as pas de connexion avec Dieu. C'est moi l'esprit qui a une connexion avec Dieu. Et qu'est-ce que l'âme va faire? L'âme va dire, non mais, moi, je n'ai pas d'avenir. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Non. Tu dis à mon âme, non. Celui qui te parle là, c'est le nouvel homme. On m'appelle Christ. Je ne suis pas Adam. Tu étais Adam, je comprends. Parce que l'âme se base sur le vécu de Adam. Tu dois le dire, mon âme, un nouvel homme est dans la place. Tu n'as plus à t'inquiéter du lendemain. Parce que le Seigneur prend soin de toi, mon âme. Il a préparé pour moi, il a préparé pour nous, mon âme, toi et moi, un héritage riche et glorieux qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir. Et qu'il a réservé pour nous et qu'il tient pour nous en réserve dans les cieux. Pas pour les cieux. Pierre dit, c'est dans les cieux. Mon âme, ne t'inquiète pas, ça va aller. C'est à toi de parler à ton âme. Et tu dois dire à ton âme, mon âme, je sais que tu as vécu le rejet. Mais rassure-toi, le nouvel homme qui est là n'est pas du tout rejeté. Dieu l'a célébré. Il a été accepté en Jésus-Christ. Mon âme, bénis le Seigneur. On n'est plus rejeté. Si tu ne dis pas à ton âme, mon âme, qui parle? C'est moi, le nouvel homme. Ne t'inquiète pas. Ne t'abats pas au-dedans de moi. Oh, ton père t'a abandonné. Ton père t'a rejeté. Mais c'est moi qui te parle. Qui? L'esprit. On m'appelle Christ. Moi, je suis accepté de Dieu. Je suis bien-aimé de Dieu. Je suis précieux à ses yeux. Mon âme, bannis le rejet. Maintenant, tu es accepté. Est-ce que tu comprends, mon âme? Et quand tu lui dis ça, elle va dire, ah bon? Oui, dis-le-lui régulièrement. Et tu sais ce que David faisait. Mon âme, n'oublie pas ses bienfaits. Ne parle pas de ton âme. Parle à ton âme. Mon âme, je sais que tu as grandi dans le mépris. Ton père t'a méprisé, ta mère t'a méprisé, tes frères t'ont méprisé. T'inquiète pas, mon âme. Maintenant que le nouvel homme que je suis là, je ne suis pas destiné au mépris, je suis destiné à la gloire. Jésus a été méprisé, rejeté par le Père afin que je sois accepté. Il a connu la honte et la disgrâce afin que je connaisse la gloire. J'étais sur un mauvais chemin. C'est moi qui suis en train de parler, c'est mon esprit là, c'est moi le nez de nouveau qui parle à mon âme. Tu vois, je t'explique. J'étais sur la trajectoire de la mort, mais désormais, Christ
c'était mon espérance de gloire. Il me donne la capacité d'atteindre la gloire de Dieu, mon âme. Tu comprends ça? On n'est pas dans l'embarras, dans la honte. Non, quiconque espère en lui, mon âme, ne sera pas confondu. Calme-toi. L'âme dit, oui, mais tu sais, et là tu l'as dit à ton âme, je sais mon âme, tu as commis tant d'erreurs dans la vie que tu es rempli du sentiment de regret et de culpabilité. Mais rassure-toi, mon âme, je sais que tu as échoué, je sais que tu t'es planté, je sais que tu as fait de mauvais choix. Maintenant, tu es rongé par la culpabilité. Parce que ça, c'est l'état de ton âme aujourd'hui. Mais il faut que l'esprit qui est né de nouveau dise à l'âme, je sais, je te comprends, ne t'inquiète pas. Le nouvel homme là, ce n'est pas lui qui s'est planté, qui a échoué, qui s'est vautré. Le nouvel homme est dans la place. Et ce nouvel homme là, il n'a pas de culpabilité. Bannis la culpabilité, mon âme. Parce que l'homme que je suis là n'est plus coupable. Ma Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 21, car celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui, justice de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ a été condamné pour que tu sois déclaré innocent. Mon âme, non coupable, c'est fini. Laisse tomber la culpabilité. Ça, c'était. Mais tu ne peux pas empêcher l'âme d'avoir ce sentiment de culpabilité, puisque c'était son histoire. Mais toi, tu dois lui dire la bonne nouvelle. En fait, c'est vrai. Ça, c'était l'histoire de Adam. Mais celui qui est là, il est non coupable. Il n'y a plus de condamnation. Romains 8, verset 1. Mon âme, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Maintenant, désormais, en Christ Jésus. Et qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Mon âme, réjouis-toi. Alléluia. Mon âme, écoute-moi. Mon âme, je sais. Ça fait longtemps que tu es broke, down, fauché. Tu n'as connu que la pauvreté. Je tiens à te dire. Et quand ton âme n'a connu que la pauvreté, tu sais ce qui va se passer? Tu seras toujours inquiet du futur. De quoi serais-je vêtu? Qu'est-ce qu'on va manger demain? Pourquoi? Mais parce que ton âme, c'est pas qu'elle ne te fait pas confiance, mais ça fait longtemps que tu galères. Hein? Tu ne vois pas clair. C'est compliqué. Il faut que tu dises à ton âme, non, ne t'inquiète pas. Le nouvel homme qui est là, Jésus-Christ est volontairement fait pauvre à la croix. De riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, je sois déjà enrichi. Mais en fait, mon âme, je tiens à te dire, le nouvel homme qui est là, c'est un prince héritier. L'héritage va se manifester. La richesse va se manifester. Il faut juste que mon âme, pour cette richesse, se manifeste. Il faut juste que tu me fasses confiance. Quand je te dis, on obéit. Quand Dieu nous dit, on sème. Mon âme, un clin d'œil, on sème. Ah, mais je ne suis pas habitué. Je t'ai dit, je suis déjà riche. Mais pour manifester cette richesse, il faut que j'apprenne à donner. Tu vas toujours me demander de libérer quelque chose. Donner, il vous sera donné. Il faut d'abord donner. Tu es d'accord? Bon, si tu me dis que toi, tu es déjà riche, je le suis déjà. Je ne le serai pas, je le suis déjà. Maintenant, on parle de le manifester. Pour le manifester, comment on fait? Mon âme, il faut qu'on donne. Ah, d'accord, donnons. Waouh! Édite ton âme! Prêche à ton âme! Annonce l'évangile à ton âme! Raconte-lui l'histoire de la croix. Raconte-lui Golgotha. Parle-lui. C'est normal qu'elle s'inquiète. Dès qu'elle est malade, elle a peur. Je risque de mourir de cette maladie. Parce que ton âme se souvient. Mon père est mort de cette maladie. Ma mère est morte de maladie. Mais il faut que l'homme intérieur dise à mon âme, calme-toi. Bénis le Seigneur. Garde ta paix. Parce que le nouvel homme qui est là, je suis, c'est moi. Il y a un nouveau résident à l'intérieur. Il s'appelle Christ. Il a la nature de Dieu, mon âme. Tu dois comprendre que par les meurtrissures de Jésus à la croix, mon âme, ce corps a été guéri. Donc, ce n'est qu'une question de temps avant la manifestation de cette guérison. Donc, bannis la crainte, bannis la peur. Ce n'est qu'une question de temps avant que tu ne manifestes cette guérison. Est-ce que tu comprends? Tu dois lui parler tous les jours. Est-ce que tu comprends, mon âme? Enfin, peut-être pas tous les jours, mais tu dois lui parler. Et plus tu parles à ton âme, plus tu lui donnes des informations. C'est pour ça que dans Lamentation, Jérémie, il dit, voici ce que je repasserai dans mon cœur. Voilà ce que tu dois entendre, mon âme. Je vais t'évangéliser. Écoute-moi, tu vas évangéliser dans les rues de Paris. Formidable. Vas-y. Mais commence un peu à évangéliser ton âme. Waouh. J'ai dit waouh. Évangélise ton âme. Dis-lui, c'est le secret de David. Tu as viré les intrus, mais tu dois maintenant remplir. La question est, comment tu peux parler à ton âme de la croix, des bontés de Dieu, de sa fidélité, de ses exploits, de ses accomplissements,
Si tu ne connais pas la parole de Dieu, comment tu fais? C'est pour ça que les gens n'arrivent pas à parler à leur âme. Quand la main inquiète, tu sais ce qu'ils font? Ça va aller, mon âme. Un peu de ventilateur. Souffle, souffle. Alors, tu sais, un prof de yoga a dit que vraiment, il faut prendre une position comme ça et puis respirer. Parce que tu sais pas quoi, tu sais pas quoi dire à ton âme. Dis à ton âme, moi qui suis là, je ne suis pas broke du tout. Je suis un héritier. Je suis une royauté. Je suis un chef-d'œuvre de Dieu. Tout ce que je suis va se manifester, mon âme. Tout ce que je te demande, mon âme, c'est quand je te dis, on obéit à Dieu, mon âme, j'attends de toi l'obéissance. Là où tu faisais capricieux hier, là, quand Dieu dit sainteté, mon âme, on va faire sainteté. Oh, mais pourquoi? Mais parce que le nouvel homme-là est saint. Tu comprends, mon âme? La sainteté, c'est le partage de moi. Donc maintenant, c'est sainteté. On m'a appuyé le corps dans les souliers là. Ok, d'accord. Tu dois rééduquer ton âme. Tu dois lui parler. Arrête de nous parler de ton âme. Parle à ton âme. Dis-lui ce que Dieu a fait. Dis-lui qui tu es. Dis-toi. Le nouvel homme, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais comment peut-on faire ce travail, pasteur Yvan, si on ne connaît pas la parole de vérité? C'est ça le problème. Donc, quand ton âme est dans la culpabilité, tu ne sais pas quoi dire. Parce que tu ne sais pas comment Jésus a vaincu la culpabilité. Quand tu es malade, tu ne connais pas les paroles bibliques qui s'appliquent à la guérison. Comment vas-tu parler à ton âme pour lui dire ne t'inquiète pas, ce nouvel homme-là ne sera pas guéri. Il transporte la guérison. Il est rempli de la guérison. Le problème, c'est que c'est dans mon esprit. Il faut maintenant que ça sorte de mon esprit, que ça atteigne mon âme, et de mon âme, comme mon âme est apprivoisée, ça pénètre mon corps. Waouh! Acclame mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Et ça, le Saint-Esprit me l'a dit hier. Je ne le savais pas. Je n'avais pas vu ça comme ça. Il m'enseigne. Je n'ai pas entendu toi-même. Il enseigne. Il explique les Écritures. Il donne la révélation des Écritures. Il explique. Magnifique Saint-Esprit. Waouh. Esprit de vérité. Ça m'a fait du bien quand il m'a dit ça. Il m'a dit, parle à ton âme. Elle ne connaît pas l'Évangile. Tu vois, on va revenir au même point incontournable. Tu ne peux pas avancer si tu ne connais pas la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Pas le pasteur, pas l'église, pas la Bible, pas la couverture. C'est un livre où il est écrit cette Bible. On ne parle pas de ça. On parle de connaître la vérité. La vérité te rend libre. Tu n'es pas... Si tu comprends ce que je dis, tu comprends que le délai d'expiration de ces choses dans ton cœur là qui ne sont pas de Dieu, que tu savais pas comment combattre, maintenant tu sais. Le délai est fini, le délai est arrivé. L'expiration de l'amertume, de la jalousie, de l'impudicité, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. C'est pour ça que tu dois t'abreuver de la parole. Sans la parole, tu n'iras nulle part. C'est pour ça que Jacques 1, verset 21 dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée et qui peut sauver vos âmes. La version parole de vie dit, recevez avec douceur la parole que Dieu a plantée. Il faut qu'il la plante. Et dit, elle peut vous sauver la vie. Quoi? La parole. Waouh! Voilà pourquoi, toi et moi, on doit se décider à serrer cette parole. Mais à comprendre tout ce que j'ai dit. Mon frère, ma soeur, il est possible d'être débarrassé de tout dépôt impur, mauvais dans ton âme et de vivre avec une âme totalement en repos. Dans la paix. Que ce soit ton partage à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. On ne trouvera plus d'impudicité, on ne trouvera plus d'orgueil, on ne trouvera plus d'offense, on ne trouvera plus d'amertume.
Quand tu vas prendre ça et tu vas mettre en pratique, c'est terminé. La semaine dernière, tu as vu comment il fallait dire à son âme pourquoi tu t'abats et virer les intrus. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a montré comment remplir de nouveau maintenant le cœur. Rééduque-la. Dis-lui la parole. Elle ne le sait pas. Elle n'a pas accès à ces informations. Elle compte sur toi, l'Esprit, pour lui dire par la parole, par le chant, par la proclamation. Tu lui dis, waouh, incline la tête avec moi. Espère en Dieu, 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 espère en Dieu. Espère en Dieu, espère en Dieu, espère en Dieu, espère en Dieu. Et toi mon âme, espère en Dieu, n'oublie pas ses bienfaits, espère en Dieu. Souviens-toi de la croix, espère en Dieu. Je vais te raconter, espère en Dieu, l'œuvre accomplie de Christ, espère en Dieu. Tu n'as pas été inquiété, tu n'as pas te senti rejeté. Fini la culpabilité. Il te suffit simplement d'entendre ce que je dis. Et toi, mon âme, est-ce que tu m'entends? Espère en Dieu. Car je le louerai encore. Il n'a pas dit son dernier mot. Un nouvel homme est dans la place. C'est un héritier, porteur de la vie éternelle. Ce nouvel en moi est riche au mon âme. Il a été accepté, il a été pardonné, il a été accepté, il a été réconcilié. Il a été déclaré non coupable. Il a été justifié. Il est destiné à la gloire. Voilà pourquoi tu n'as pas t'inquiéter du lendemain. Banni la crainte, mon âme, banni les soucis, ne t'inquiète pas. Il est écrit, j'étais juste, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné de l'Éternel. Ni sa postérité mendier son pain. Et mon âme, ma postérité ne mendiera pas, ne t'inquiète pas. La fidélité de celui qui m'a appelé parlera en ma faveur. Sa fidélité parlera. Sa bonté parlera. Ses compassions parleront. Est-ce que tu m'entends, mon âme? Espère en Dieu. Proclame la parole. C'est l'Esprit qui te parle. Je t'annonce l'évangile. Je t'annonce ce que Jésus a fait. Sois désormais apaisé. C'est le nouvel homme qui te parle. Il est héritier de Dieu. Il a été racheté de Dieu. Le sang de Jésus a été versé pour moi à la croix, mon âme. Tu n'as plus à craindre les contagions. Le sang qui a parlé pour Israël à Goshen est le sang qui parlera en ta faveur contre les esprits de sorcellerie, contre les réclamations sataniques. Le même sang parlera pour toi. Oh mon âme, sois détendue. Entre dans le repos. Il a commencé une belle œuvre et il accomplira. Je te demande, mon âme, seulement d'obéir. Sois serein, sois dans le repos, sois détendu. Quiconque espère en lui ne sera pas confondu. Car lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Christ est mon espérance de gloire.
La gloire a été activée, elle a été réactivée. Elle va se manifester. Ne t'abats pas au-dedans de moi. Espère en l'Éternel. Jésus a tout accompli. Il n'a rien oublié. Est-ce que tu m'entends, mon âme? Espère en Dieu. Attache-toi à lui. Aime le Seigneur. Souviens-toi de ses bienfaits. Souviens-toi de ses bontés. Souviens-toi de ses compassions. Souviens-toi de sa miséricorde. C'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. Il a déjà guéri toutes tes maladies. C'est lui qui est ton berger. Est-ce que tu m'entends, mon âme? Espère en lui. Chakale de babalo sakaya. L'esprit doit éduquer l'âme, l'esprit doit tenir l'âme, l'esprit doit parler à l'âme, l'esprit doit commander, l'esprit doit dire, hey, mon âme, je vais t'annoncer le vrai chemin de Christ à la croix. Je vais te dire la vérité. Tu ne connais, mon âme, que la réalité, mais tu ne connais pas la vérité. La vérité, c'est ce qui est écrit, c'est ce qui est accompli. Je vais te le raconter à partir d'aujourd'hui. Bannis le rejet, bannis la culpabilité, bannis l'impunicité. Ce n'est pas toi, mon âme, tu n'es pas impunique. Ça, c'était Adam, c'était l'ancien homme. Un nouvel homme est dans la place. Sa nature, c'est la sainteté. Alors tu seras saint, mon âme. Espère en Dieu. Acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame. Fais plus de bruit, acclame, acclame, acclame. Chacalé, bébali, nanana, bossa. Chalé, le catalan, et nanamo. Yéle, kaya. Ibalo, sekita, nanaya. Cheyile, lelele, mamo. Chemadi, lelele, babibo, sete. Aye, lelele, bossete. Chamalé, kanto, lama. Mon âme, tu ne connais pas mon potentiel. Tu ne connais pas ma puissance. Tu ne connais pas mon autorité. Tu ne connais pas la grâce de ma vie. Tu ne connais pas mon appel. Tu ne sais rien de moi. Je vais te dire, voilà pourquoi tu vas coopérer avec moi. C'est moi, l'Esprit Christ formé en moi, qui est en train de te parler. Allez, relève-toi, on va dans cette destinée. À partir d'aujourd'hui, je vois le rejet te quitter. Je vois la culpabilité sortir. Je vois l'amertume, la jalousie, les blessures. Dehors, au nom de Jésus. Tu n'es pas abattu, mon âme, non. Chalé de Maraya. Mon âme espère en Dieu. Car toute chose, mon âme, si tu ne comprends pas ce qui vient de se passer, je t'annonce, mon âme, que toutes choses travaillent ensemble, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Voilà ce que je veux t'informer. Voilà ce dont je veux t'informer. Voilà ce que tu vas garder. Voilà ce que tu vas mémoriser. Voilà, mon âme. Le reste est un mensonge. La réalité n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que je te dis. Tu connaîtras la vérité. Elle te libérera. Je vois des âmes libérées. Je vois des chaînes brisées. À travers cette parole, je vois des jougs détruits. Je vois des offenses quittées. Séchées à la racine. Au nom de Jésus. Reçois la consolation. C'est le nouvel homme qui te parle. Je parle de la part du Saint-Esprit. Et je parle à toi, mon âme. Espère en Dieu. Espère en Dieu. Espère en Dieu. Espère en Dieu. Parle à ton âme, parle à ton âme, parle à ton âme pendant quelques secondes, parle à ton âme, parle, parle, parle à l'état, parle, 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 parle à ton âme, ah. Exercice pratique, parle à ton âme.
proclame la croix. Proclame que tu sors de l'amertume, tu sors de la jalousie, tu sors de la colère, tu sors. Dis à ton âme, moi je suis plus en colère. C'est Adam qui était en colère. Tu étais en colère, tu n'avais pas la bonne information. Sors de la colère. Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. Dieu a permis pour un but. Tu ne seras pas confondu. Ne t'arrête pas à l'instant présent. Vois la scène globale. Ce que tu ne vois pas encore tout. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Car mon rédempteur vit. Et il se relèvera le dernier. Et je verrai éclater sa gloire. Ce n'est pas fini tant qu'il n'a pas dit que c'est fini. Te rendons grâce, Père. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence au saint. Donne-nous l'esprit de nous lamenter. Fais de nous des participants, des acteurs de notre propre restauration totale. Ta parole est la vérité. Si David a réussi, tu ne peux pas échouer. Toi, tu n'échoueras pas au nom de Jésus. Tu n'échoueras pas. Parle à ton âme. Prêche à ton âme. Chante à ton âme. Prophétise à ton âme. Elle est le centre. Elle est le moteur. Le laboratoire de fabrication de ta vie, c'est ton âme, ton cœur. Père, merci pour cette parole. Merci pour cette méditation. Il n'y a pas de mots pour exprimer notre gratitude. Je te remercie. Dans le nom de Jésus. Nous ne serons pas dispersés. Nous ne serons pas dévorés. Nous ne serons pas disqualifiés. Nous ne serons pas jugés comme Marie. Merci. Avant que je ne rende le micro, je sais que l'heure est déjà dépassée. Une personne a entendu cette parole. Tu ne peux pas avoir l'âme restaurée sans la parole de Dieu. La parole de Dieu ne peut pas te restaurer sans que la parole faite chair, appelée Jésus, ne soit présente dans ta vie. Tu as besoin de Jésus. Tu n'as pas besoin de religion, mais tu as besoin de Jésus. La plante a besoin de la terre. Le poisson a besoin de l'eau. Ton esprit a besoin de Dieu. Il a besoin de revenir à la maison, comme le fils prodigue. Y a-t-il une personne qui a entendu cette parole et qui dit, je veux vivre cette dimension, pasteur Ivan, mais je ne sais pas comment le faire. Je ne connais pas Jésus. Je prie comme je peux. Aujourd'hui pour toi, c'est le jour du salut. Peut-être que tu te débrouillais avant, comme Corneille aussi se débrouillait. Mais le Seigneur veut te montrer la voie du salut. Il veut te montrer exactement la voie du salut. Et la voie du salut s'appelle Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il ne vient au Père que par moi. Pendant que les têtes sont inclinées, signe de révérence pour Dieu, y a-t-il une personne qui a envie de lever la main rapidement en disant, pasteur, je suis cet enfant prodigue qui s'est éloigné, cet homme, cette femme qui veut revenir à Dieu, pas à la religion, mais je veux revenir à Jésus, la source de la vie. Je veux donner ma vie à Jésus.
Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Il veut te donner le repos. Il veut te donner la prospérité à l'intérieur. Peux-tu lever la main et dire, pasteur, tu parles de moi? Toi qui as levé la main, je te demande de prendre ton sac. Si tu connais quelqu'un avec qui tu es venu, tu peux lui laisser tes affaires. Mais quelle que soit la salle dans laquelle tu es, je te demande de venir devant, je vais prier pour toi rapidement. Rapidement. Venez devant, vous qui levez la main, venez devant. Ne restez pas. C'est le jour du salut. C'est un jour de libération. Vous qui êtes connectés sur Internet, il vous suffit de cliquer sur le bouton répondre à l'appel. Je t'attends. Viens devant. Espère en Dieu. Espère en Dieu. Espère. Je ne t'entends pas acclamer. Espère en Dieu. Approche-toi à lui. Et en lui ta confiance. Et il agira. Espère en Dieu. Il continue d'arriver. Je vous attends devant, je vous attends ici. C'est le jour du salut. Un jour de délivrance. Un jour de réconciliation. Sa main va s'étendre sur ta vie. Je vois ton cœur totalement libéré. Un feu est en train de pénétrer ton cœur. Un feu est en train de pénétrer ton cœur. Un feu est en train de pénétrer ton cœur. Des émotions sont en train de te saisir. Mais c'est parce que le feu est en train de t'embraser. C'est parce qu'il est en train de nettoyer ton âme. Les offenses, les blessures, les abus, ceux dont tu te souvenais, tu ne t'en souviendras plus. Il restaure ton âme. Espère en Dieu. Espère en Dieu. Espère en Dieu. Tu vas lever les mains et vous qui êtes devant, vous allez lever la main. C'est un jour de salut. C'est le jour de retour à la maison. Une prière, je vais vous amener à faire, qui a l'air simple, mais qui est redoutablement efficace. C'est la prière qui détermine le passage de la lumière, des ténèbres à la lumière, de l'obscurité de Satan, du royaume des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Avec une simple prière, on peut avoir la vie. Comment, pasteur ? Confessant de ta bouche le Seigneur Jésus. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Tu changes de royaume aujourd'hui, juste avec une proclamation. Répète ces paroles, tout le monde. Père, dans le nom de Jésus, je te demande pardon pour mes péchés, mes offenses, pour mon cœur, les mauvaises graines qu'il y avait à l'intérieur. Aujourd'hui, comme l'enfant prodigue, je reviens à la maison. Pardonne-moi, lave-moi par le sang de Jésus. Réécris mon histoire et fais de moi la personne que tu veux que je sois. À partir d'aujourd'hui, sur la base de ma proclamation, je déclare que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 à 73 personnes sur Internet qui ont choisi de répondre à cet appel au salut. Wow. Bien-aimés, je vais vous demander, la prière que vous venez de faire a l'air simple, mais elle est puissante. Amen. Un jour, nous tous, on a fait cette prière.
Et on nous a pris par la main. Ça s'appelle la nouvelle naissance. On va vous expliquer ce que c'est. On nous a pris par la main. Et on nous a aidés à être ce que nous sommes devenus. Nous voulons faire la même chose pour vous. Je vais vous demander de suivre les conseillers sur ma gauche. On va prendre 5 minutes et vous allez revenir pour la fin du culte. Amen. On acclame le Seigneur. Et je tiens à vous dire une chose. Attendez. Vous êtes les bienvenus à Impact Centre Chrétien. Ne laissez personne vous scandaliser. Si quelqu'un vous scandalise, vous offense, vous blesse, venez me voir. Je vais lui régler son compte comme on lui a jamais réglé son compte. Je ne permettrai à personne de mépriser un seul nouveau converti. Nous allons en prendre soin comme une famille. Celui qui les méprise par une petite parole, je pouvais ne pas le dire. Je ne te laisserai jamais mépriser ces bien-aimés. Nous allons prendre soin d'eux comme on a pris soin de nous. Acclame le Seigneur pour vous. Veuillez suivre les conseillers. On y va. On acclame Dieu pour vous. Acclame. Acclame. Amen. Tu as fait encore aujourd'hui. Nous sommes remplis de reconnaissance et nous te disons amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Merci Esprit de Dieu. Merci pour ta parole libérée. Merci pour ton serviteur. Renouvelle ses forces, Seigneur. Merci parce que cette parole a été libérée avec force, hardiesse, puissance. Elle a été lancée comme un javelot pour toucher nos âmes. Et pour cela, nous te rendons grâce. Merci, Père. Oui, nous pouvons encore acclamer la présence de Dieu au milieu de nous. Nous sommes déjà arrivés au terme de notre célébration. Nous voulons prendre place quelques instants. Nous allons prendre congé de notre famille qui était en communion avec nous au travers des nouvelles technologies. Nous vous disons à la semaine prochaine. Amen. Alors, bien aimé.